Hommage aux survivants. Le 23 mai, un peu plus de 1000 marcheurs se sont donné rendez-vous à la base de plein air Les Cèdres pour la 11e édition du Relais pour la vie, Vaudreuil-Soulanges. En début de soirée, les différentes équipes ont graduellement investi le site et établi leurs quartiers généraux autour de la piste. L'ambiance était festive et les marcheurs enthousiastes. Le coup d'envoi a été donné vers 19h avec la marche des survivants. 133 citoyens qui ont vaincu la maladie ont ainsi fait un premier tour de piste sous les encouragements et l'acclamation des marcheurs, positionnés en haie d'honneur. Pour plusieurs, ce moment a été empreint d'une vive émotion. Une fois la nuit tombée, l'activité a pris un virage solennel. Le moment est venu de rendre hommage aux disparus et à ceux et celles qui luttent toujours contre le cancer. Lors du tour de piste du Cornemusier, les marcheurs étaient invités à allumer les milliers de luminaires parsemés autour de la piste, donnant une ambiance particulière au site. Toute la nuit, les marcheurs ont parcouru la piste au rythme de la programmation musicale. Au petit matin, la fatigue et les muscles endoloris étaient voilés par la fierté d'avoir contribué à cette tradition d'entraide et de dépassement de soi. L'édition 2014 du Relais pour la vie aura permis d'amasser la somme de 261 034 $. C'était Stéphanie Lacroix au Cèdre pour Vaudreuil-Soulanges.tv.